Quand tu te retrouves dans un canyon, il n'y a que toi et le bruit que tu y fais. Tu t'arrêtes, tout s'arrête. Pas un son. C'est ce qui m'a frappé ici, dans la Death Valley. La vallée de la mort. Un silence incomparable. Pas un arbre à l'horizon. C'est tellement lunaire. Plus loin sur la route, on est tombé sur un endroit que je n'oublierai jamais. Ce sable était si fin. Et toujours le même silence. C'est à ce moment-là que le nom de cette vallée a pris du sens pour moi. En 2013, on y a enregistré le pic de chaleur jamais répertorié sur la Terre par l'homme. 57 degrés. Avec mon père, on voulait vraiment vivre l'expérience de la vallée de la mort jusqu'au bout. La troisième nuit, on a décidé de dormir sur le plus haut point de vue. Dante's View. Et c'est d'ailleurs la première fois que nous dormons dans le van. Et quelle grande première! Le vent a fait tanguer le Dodge toute la nuit. Mais le lendemain, notre récompense était là. La vallée de la mort restera un grand souvenir de cette traversée de l'Ouest américain. Une nature dure, impitoyable, que l'homme a finalement domptée il y a 200 ans pour sa richesse, son sous-sol. Ici, des pionniers ont traversé ces terres, dans l'espoir de trouver une Californie généreuse en minerais. C'est avec cette vision que nous quittons cet état, vers une autre curiosité des États-Unis, Las Vegas.